Paris Audio Vidéo Show 2020 avec Hugo qui me rejoint sur le plateau. Salut Hugo. Bonjour. Est-ce que tu es prêt à participer à ces deux jours de salon avec moi? Deux très belles journées à venir. Eh bien, on y va tout de suite et on va commencer avec Klipsch. La crise actuelle l'a empêché d'être présent avec nous sur le plateau. Ceci étant, Fabien est là pour nous présenter Klipsch. Bonjour Fabien, est-ce que tu peux nous dire deux mots sur ton parcours et nous présenter l'entreprise? Bonjour les amis, ouais en effet, merci de me recevoir à distance sur votre plateau. Situation un peu compliquée, on s'adapte. Bravo à vous en tout cas pour cette édition un peu particulière. Merci de me recevoir. Donc, je m'appelle Fabien Abrem, je suis en charge du développement de la marque Klipsch sur le territoire français. Et puis, qui est Klipsch? Pour ceux qui ne connaissent pas la marque, Klipsch, c'est avant tout une marque américaine, vous le savez, mais peut-être que d'autres ne le savent pas encore. Et d'ailleurs, voilà, pour parler de Klipsch, je me sens plus à l'aise comme ça, parce que Klipsch, c'est ça. Klipsch, le fin fond de l'Arkansas, 1946. Juste après-guerre, les poussières de la Deuxième Guerre mondiale étaient à peine retombées. Il y avait une espèce d'énergie créatrice folle qui était dans l'air. Les gens avaient envie de revivre, de créer, d'inventer, de reprendre goût à la vie. Et Paul, un ingénieur, un peu charismatique, un peu fou, était passionné de son. Et il avait comme objectif de ramener la qualité et l'émotion d'un son live chez les gens, donc à l'intérieur des salons. Donc il a beaucoup travaillé, il a développé une première enceinte qui s'appelle la Klipsch Horn, donc 1946, première enceinte Klipsch, la Klipsch Horn, qui existe toujours aujourd'hui, on en est à sa sixième version. Et voilà, l'histoire de Klipsch, c'est ça, c'est cette marque américaine née de rien, d'un passionné, qui a, au fur et à mesure des années, développé sa notoriété, son ADN, en restant fidèle à ses racines, vintage et américaines et traditionnelles. Alors Fabien, quelle est l'actualité de Klipsch? Bon, je sais un petit peu, je vais spoiler, vous allez parler de ma voiture. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors oui, en effet, une actualité assez riche avec plein de nouveaux modèles. Alors c'est vrai sur les gammes classiques de la marque, sur les gammes héritage avec des nouvelles enceintes comme la nouvelle Cornwall 4 ou Hérésie 4 qui sont déjà sorties. Une nouvelle gamme d'enceintes actives comme la 5, une nouvelle gamme de sons complète avec 4 modèles qui arrivent pour la fin d'année. Et puis surtout, c'est un peu le sujet du jour, ensemble, une nouvelle gamme de casques. Nouvelle gamme de casques. Alors le casque, pour l'histoire, c'est pas nouveau. Hein. 1919, enfin Paul Klipsch avait à peu près 15 ans, je crois. Il invente son premier casque audio avec deux micros, deux mini haut-parleurs, des supports en carton, comme on peut le voir à l'écran. Donc on est vraiment sur un prototype, un casque old school. Mais c'était déjà dans l'ADN de la marque. Donc aujourd'hui, on sort une nouvelle gamme de casques et surtout, référence à McLaren tout à l'heure, mais en effet, un très gros partenariat a vu le jour entre Klipsch et McLaren F1, puisqu'on est aujourd'hui partenaire officiel son de l'usine de l'écurie McLaren Formule 1. Et on a développé avec McLaren et avec l'ingénieur McLaren une gamme de casques à leur image. Fabien, tu nous as également apporté une vidéo. Hugo, qu'est-ce que tu dis qu'on la regarde? Allez, c'est parti. We'll be right back.
Hugo, ça fait rêver ces voitures. Ça fait rêver. Et ma première question, elle est pour toi. Ah. Ça change pour une fois. Oui. Toi, tu as eu la chance de conduire un peu de McLaren. Tu as conduit quoi et qu'est-ce que tu en penses? Oh là, j'en ai conduit plusieurs. J'ai conduit la... Alors, il faut savoir que tu as McLaren, la marque telle qu'elle est connue, et tu as McLaren Automotive qui produit les voitures pour le grand public, si je puis dire. Ils ont commencé avec la MP4 12C et la dernière en date, c'est la GT. Tant dire que j'aimerais bien en avoir une, mais bon, écoute, à défaut d'avoir une McLaren, je crois que Clip, je te propose quand même d'avoir quelque chose de la marque. Un truc pas loin. On a vu ta vidéo, Fabien, qui était vraiment très intéressante, sur un vrai partenariat plutôt avec la famille F1. Comme a dit Idriss, il y a Automotive, il y a la F1. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce partenariat, d'où il vient? On a vu comment il a abouti, mais quelle est l'idée, quel est l'objectif derrière tout ça? Alors oui, ce partenariat, c'est avant tout une histoire de rencontre, mais c'est aussi la rencontre de deux personnalités. On l'a vu, Paul Klipsch, 1946, dans son hangar. Et puis c'est aussi l'histoire de Bruce McLaren, qui lui, en 1963, à l'époque, c'était un jeune pilote talentueux, décide de créer sa propre écurie. Donc il part de rien, dans un garage poussiéreux, passionné, décide de créer ses propres voitures, pour pouvoir courir dessus. Donc voilà, c'est deux histoires un peu similaires de deux passionnés partis de rien qui ont su faire grandir leur marque. Et puis c'est aussi quelque chose qui nous lie aussi, mis à part ces deux histoires fortes, c'est aussi l'omniprésence du son dans nos deux milieux respectifs. La Formule 1, c'est le son est omniprésent. C'est en moyenne plus de 130 décibels sur un circuit, donc il faut pouvoir se protéger du son. Mais en même temps, il faut pouvoir se communiquer et donc avoir des outils performants qui nous permettent, un, de nous protéger, mais aussi de communiquer, puisque c'est évidemment clé dans le milieu de la Formule 1. Donc voilà, le casque, s'en protéger, pouvoir communiquer, l'omniprésence du son, tout ça, c'est quelque chose qui nous a petit à petit rassemblés au cours de cette histoire. Alors oui, en effet, il y aura une gamme complète de casques Klipsch McLaren avec trois modèles. Alors, je ne peux pas tout vous dévoiler aujourd'hui puisque certains modèles seront lancés début 2021 et donc sont sous embargo encore aujourd'hui. Ce que je peux vous dire néanmoins, c'est qu'on a le casque sport dont on vient de parler. Il y aura deux autres modèles en version avec réducteur de bruit cette fois, en version ANC, la version T5-2 en version ANC McLaren. Et puis, là, on rentre vraiment dans l'univers du paddock McLaren avec un casque Arso à réducteur de bruit, logoté et aux couleurs McLaren. Ok, donc il y aura d'autres produits, super. Il y aura plusieurs produits dans la gamme McLaren. Ton produit phare, qui est le T5 True Wireless McLaren, ça vaut combien? Et ça vaut combien par rapport à un T5 chez toi de la gamme classique qu'on a connu avant avec son format Zippo et qui est maintenant un peu modifié? C'est quoi les différences de prix? Alors oui, en effet, chaque casque de la gamme McLaren aura son pendant en version Klipsch. Donc il y aura à peu près une différence entre une version Klipsch et une version McLaren d'à peu près 50 €, prix public, qui justifie par une différence de qualité des matériaux, puisqu'on va insérer du carbone, des options, puisqu'on va intégrer un chargeur à induction directement logoté McLaren. Voilà, donc tout un tas de petites différences. Pour information, un T5 Sport McLaren va être positionné au prix indicatif public de 279 €, là où par exemple la version Sport Klipsch non McLaren sera positionnée à 229 €. Alors en fait, il n'y a pas de différence en termes de qualité sonore entre un T5-2 et un T5-2 Sport. On va retrouver les mêmes caractéristiques. Ce qui va faire la différence, c'est vraiment l'usage. L'usage, donc, c'est les options qu'on a rajoutées pour adapter un casque T5 à un casque à une activité sportive. Donc, il y a évidemment la boîte, on en a parlé, à ses caractéristiques, étanche, anti-choc, anti-poussière, avec un absorbeur d'humidité à l'intérieur. Et puis, c'est aussi et surtout le fit. Il faut qu'un casque sport tienne dans l'oreille lorsqu'on fait une activité physique. Donc, on a vraiment développé un large choix d'embouts, puisqu'on a 6 embouts de tailles différentes pour fitter à chaque type d'oreille. On a rajouté 3 embouts à mémoire de forme, de façon, lorsqu'on fait une activité physique encore un peu plus intense. Et puis, on a ces petits earwings qui viennent vraiment crocheter
l'oreillette dans le lobe de l'oreille, qui le maintiennent vraiment en place. Et là, on propose aussi trois tailles différentes. Donc, on peut vraiment customiser l'oreillette parfaitement à son anatomie et à la forme de son oreille. Merci Fabien. Le Paris Audio-Vidéo Show continue. Hugo, tu vas laisser ta place pendant quelques minutes à Jean-Marie. Parfait. On va parler de Ellipson et on se retrouve dans quelques minutes.